Le cancer est une des maladies les plus cruelles de notre temps. Le terme « cancer » désigne un groupe de maladies dans lesquelles certaines cellules se mettent à se diviser de façon anarchique, formant des tumeurs dites « malignes ». Plusieurs types de ces tumeurs ont été décrites. Tumeurs malignes des glandes ou de la peau, tumeurs qui se développent aux dépens des muscles, des os et des cartilages, et tumeurs du sang et de la lymphe. Il est rassurant de constater que plus de la moitié des cancers sont aujourd'hui guéris grâce au progrès de la thérapeutique. Quand certaines cellules cessent de respecter les mécanismes normaux de la division cellulaire et se mettent à proliférer, une masse de cellules anormales, ou tumeurs, apparaît. Les tumeurs bénignes forment une masse bien localisée. Leur croissance est plutôt lente et elles tuent rarement leur hôte si on les retire avant qu'elles en viennent à comprimer un organe vital. Quand la tumeur est maligne, il s'agit d'un cancer. Les cellules malignes sont anormales en taille, en forme et du point de vue de leur fonctionnement. Contrairement aux cellules normales qui reconnaissent leurs voisines et cessent de se multiplier à leur contact, les cellules malignes ne se conforment pas aux règles de cette inhibition. Elles peuvent envahir les tissus sains avec très peu de restrictions. Les cellules malignes ont également la capacité de se détacher de la tumeur primitive et de se propager à d'autres organes en formant des masses cancéreuses secondaires, les métastases. Le cancer serait plus facile à soigner si les cellules ne se détachaient pas pour essaimer dans l'organisme. En effet, le bistouri ne peut habituellement rien contre un cancer métastatique. Plusieurs traitements contre le cancer sont encore à l'étude. Pour l'instant, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'immunothérapie sont utilisées seules ou en association. On pense avoir identifié des facteurs déclenchants comme les agents chimiques dits cancérigènes et les rayonnements ionisants tels les ultraviolets du soleil. Il semble que les virus aussi soient une des causes de cancer, de même que les hormones. De plus, on a récemment découvert des gènes favorisant la transformation cancéreuse des cellules normales. Ce sont les oncogènes. Sous l'effet de rayonnement ou de certaines substances chimiques, les oncogènes se développent à partir de gènes qui régissent normalement la croissance cellulaire. Bref, si certaines influences extérieures entrent en jeu dans l'apparition d'un cancer, il semble qu'une partie des éléments nécessaires à son apparition se trouve bel et bien dans nos gènes.